I'll be waiting in the shadow of the sun. Seizing tower, no one's been before. Close the curtains, what you're waiting for. Pour une toute nouvelle vidéo, donc ça fait longtemps que j'ai pas filmé. Je suis vraiment désolé parce qu'en ce moment j'ai vraiment pas eu le temps et tout, et j'ai pas aussi d'idées sur YouTube. Je suis vraiment désolé et tout. Du coup, là j'ai eu une idée. Je vais vous répondre sur TikTok, enfin, je vais vous répondre parce que j'ai plein de questions. J'ai plein de questions sur. Sur TikTok que je vais vous répondre sur YouTube. Donc c'est parti, on va commencer, on va pas faire longtemps. On va commencer par la première. Quelle est ta chanson préférée? Alors ma chanson préférée c'est tout les années 80. Donc là, les années 80 c'est Jean-Jacques Goldman, comme Dalida, comme enfin toute l'année 80, et un petit peu aussi de tout en fait de nous, comme Gazon, comme Vita, comme Maître Gims, comme Nap, enfin, il s'appelle Nap je crois, comme Flo et Oli, enfin voilà, ça aussi j'aime bien et tout. Donc ma chanson préférée c'est tout ça, les années 80 et aussi les années que nous sommes et tout. Quel est ton sport préféré? Donc mon sport préféré c'est le basket et de la marche. J'aime beaucoup la marche, on marche souvent et tout. C'est un truc que c'est bien aussi, ça aère un petit peu la tête aussi. Donc ça c'est super bien, c'est ça j'aime bien et tout. Et le basket en fait c'est aussi que j'aime bien et tout, et je lance et tout. Ça aussi c'est bien le basket. Le basket et la marche c'est un truc que c'est vraiment bien à faire le sport. Après les personnes peuvent faire du rugby, le foot et tout, vous avez droit aussi. Mais mon préféré sport c'est le basket et la marche. Alors nous sommes à la troisième question. Vous êtes plutôt chat ou chien? Alors moi, je suis plutôt chien et je suis plutôt aussi le chat, donc je suis les deux, chien, chat, chien, chat, je peux faire les deux. Quel est votre rêve? Alors moi mon rêve c'est quel est mon rêve, enfin quel est votre rêve? Alors moi mon rêve c'est aller à Disneyland de Paris. J'aimerais trop aller à Disneyland Paris. J'aimerais trop faire des vidéos, des vlogs de Disneyland Paris. Ça, c'est un truc que j'adore et tout. J'essaye de gagner un ticket pour ça. Avec des applications que j'ai mis et tout, que c'est gratuit et tout. On gagne des cadeaux, enfin, des trucs de tickets et tout. Mais j'adore Disney, j'adore que j'aime bien filmer aussi. Disneyland et tout, ça c'est un truc que j'aime bien. Donc j'ai croisé les doigts d'avoir un ticket de Disneyland, comme ça je pourrais filmer, faire des vlogs sur Disney, c'est vraiment trop bien et tout, j'adore. Ça c'est un truc que j'aime bien. Quelle est ta série préférée? Donc ma série préférée c'est Once Upon a Time, Charme, Merlin, film d'horreur, enfin non, c'est la série. Donc, Once Upon a Time, Charme, c'est une série. Merlin, Joséphine, je crois que c'est une série. HPI, c'est une série. Dans ça avec les stars, je crois que c'est une série aussi. The Voice, c'est aussi une série, je crois. Puis voilà. Après, il y a plein de choses, mais que je ne me rappelle même plus. Après,
beaucoup de... Alors, c'est que des questions, je t'aime, un truc comme ça et tout. J'essaie d'en trouver. Ronaldo ou Messi? Je préfère mieux Ronaldo. Parce que Messi, je connais pas. Et Ronaldo, je crois que j'ai dit, il y avait beaucoup de matchs. Bah coucou, c'est marqué sur une question coucou, coucou. Joli. Ah bah merci. Alors attends, parce que je suis... Nanana. Est votre artiste préféré? Alors, les séries de Once Upon a Time, les séries de Charme, les séries de HPI, enfin une personne, les séries de Joséphine, les séries de Wanda, Wanda vous connaissez aussi, là c'est une série, j'aime bien aussi Wanda. C'est une série Marvel en fait, c'est comme Spider-Man et tout, c'est une série. Donc la série que j'aime bien. Et plus la personne qui joue. Donc et puis voilà, je crois qu'il y en a quatre. Après il y a des autres. Je crois qu'il y a des autres, mais je me rappelle plus du tout. Wanda. Puis c'est tout, je crois. Joséphine. Clem aussi. Une série Clem. Avec la mère de Clem, j'adore aussi. Elle fait vraiment trop rire et tout, j'adore. Puis voilà. Après, j'ai les autres questions. Ok, ma chanson préférée, j'ai dit la fille, j'ai déjà dit. Alors. Bonjour, bonjour, enchanté. Donc voilà, il n'y a pas de... J'ai plus de questions à part le thème. Quelles sont vos passions? Ma passion, c'est YouTube. J'adore les vidéos. J'adore filmer. J'adore filmer tous les trucs. J'aime bien faire des vlogs. J'aime tout. Donc ma passion, c'est YouTube. Vous en pensez quoi? Bah, je vous en pensais quoi pour tout. De là maintenant, je pense que ça brûle de partout et tout. C'est un petit peu. C'est un peu. Enfin, je vais pas dire bêtise, mais c'est un peu. C'est inquiétant en fait. Franchement, c'est vraiment inquiétant. Ça fait peur pour les personnes, tout et tout. Ça fait peur pour tout. Mais franchement, c'est inquiétant. Bon, ça casse tout, ça brûle tout et tout. Ça se trouve que les personnes ne peuvent pas dormir. Enfin, les petits ne peuvent pas dormir avec les casseurs et tout et tout. Oui, c'est vraiment inquiétant. Il faut vraiment. Voilà. C'est dur à dire, mais il faut qu'ils fassent un truc et tout. Il faudrait qu'il y ait un truc.
Après, je suis pas président, mais il faudrait qu'il fasse un truc. Alors après, il y a encore une autre question que j'ai vue. Il faudrait que d'abord que je la retrouve. Et la dernière question. Es-tu célibataire ou en couple? La question, es-tu célibataire ou en couple? Je vais marquer là maintenant. Es-tu célibataire ou en couple? La réponse, es-tu célibataire et en couple? Je suis pour l'instant. Je suis célibataire pour l'instant. Donc, je suis célibataire. Pour l'instant, oui, donc j'ai 22 ans, hein. J'ai tout le temps derrière moi. Donc pour l'instant, oui, je suis célibataire. Donc voilà la réponse. T'es amoureuse? Non, on dit amoureux. Alors non, vu que je suis célibataire, je suis pas amoureux. Pour l'instant, je suis pas amoureux et tout. Mais ça va venir. Ça va venir. Vous inquiétez pas, ça va venir. Donc, voilà cette question, les questions sur TikTok qui étaient ici et tout. Donc j'ai eu beaucoup de questions, il y a eu au moins 5 ou 7 ou 8, enfin je m'en rappelle plus et tout. Donc c'était les questions sur TikTok. La dernière fois c'était une question sur un site, donc sur un truc que j'ai installé et tout. C'était sur Instagram et tout. Là maintenant c'était sur TikTok et la prochaine fois c'est des questions sur Snap et tout. Donc venez nombreux. Donc sur ce téléphone là. Comme ça, je peux répondre et tout. Donc, ce téléphone-là, c'est aussi connecté à YouTube et tout, à tous les trucs et tout. Ah, blablabla. Donc, merci de regarder cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo et tout. N'hésitez pas à vous abonner et merci pour les 269 abonnés. Ça fait vraiment plaisir et tout. Donc, vraiment, merci, merci. N'hésitez pas à mettre des commentaires et n'hésitez pas aussi à mettre des petites pouces bleus ou vous pouvez aussi vous abonner et tout. J'ai aussi plein de questions sur les commentaires qui est en bas de l'info sur YouTube. Vous inquiétez pas, je vais faire ça. Vous inquiétez pas, je vais faire ça. Vous inquiétez pas. Je vais d'abord le snap et après je fais aussi sur YouTube et tout les commentaires qui sont sur YouTube et tout. Donc n'hésitez pas à vous abonner, mettez des pouces bleus. Je vous dis à très bientôt pour notre vidéo. Et puis je vous souhaite aussi une bonne vacance parce que vu que maintenant vendredi, ce vendredi-là. Donc encore une semaine, les écoles, donc les personnes collègues et tout sont déjà en vacances et tout. Donc bonnes vacances vraiment tôt, voilà. Et puis bonnes vacances à les personnes aussi qui sont à l'école et tout. Donc bonnes vacances. Et puis profitez un maximum pour les 2 mois et tout. Et puis je vous dis à très bientôt et tout. Et aussi les personnes qui sont en 6e, en lycée ou chez les petits qui passent en CP et tout. Pensez pas, pensez vraiment pas déjà à la rentrée, pensez déjà en vacances, parce que c'est mieux penser aux vacances que à la rentrée, parce que si vous pensez à la rentrée et tout, ça va stresser toutes les vacances. Donc pensez vraiment aux vacances et après on verra pour rester tout. Donc merci de regarder cette vidéo, je vous dis un bon dimanche, une bonne soirée et à très bientôt pour la vidéo de Snap, question Snap. Thank you.